Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'essaie un mythe du monde de la moto, la nouvelle Honda Goldwing 1800 Tours 2021. C'est la moto de tous les superlatifs, la plus confortable, la plus grosse, la plus technologique, notamment avec cette nouvelle boîte de vitesse à double embrayage DCT, mais c'est surtout la plus incroyable. Dans cette vidéo, je vais vous détailler ses caractéristiques extérieures, sa fiche technique, et enfin, on ira faire un tour sur la route et je vous donnerai mon avis sur son comportement routier. Les amis, sur YouTube, c'est chaque semaine, je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche, pareil sur notre compte Instagram Le Vendeur Automobile, et moi je vous dis à tout de suite. C'est en 1972 que l'histoire de la Goldwing commence. Les ingénieurs d'Honda décident de se pencher sur le développement d'un concept de moto alliant puissance, confort et fiabilité avec un moteur 6 cylindres à plat de 80 chevaux qui permet à ce concept d'atteindre les 220 km/h en vitesse de pointe. Bien que le moteur soit puissant, l'agrément de conduite de ce concept est très mauvais. Les ingénieurs optent donc pour un moteur 4 cylindres à plat beaucoup plus adapté à ce type de moto. C'est en 1975 que la Goldwing est enfin présentée au public avec un moteur 4 cylindres de 999 cm3 à refroidissement liquide. À l'époque, c'était la première moto GT luxueuse qu'on pouvait acheter. En 1980, Honda sort la Goldwing Interstate et en 1982, l'Aspencade, qui avait beaucoup d'accessoires bien spécifiques comme un carénage massif, des valises, aussi un top case et certains accessoires qui étaient inexistant à l'époque sur ce type de moto, comme un réglage des suspensions avec un compresseur à air ou encore la recherche automatique des radios. Ça, c'était il y a plus de 40 ans, je vous le rappelle. En 1985, Honda équipe la Goldwing de l'injection directe. Et en 1988, c'est l'apparition pour la première fois d'un 6 cylindres sur la GL1500 pour faire face à une concurrence de plus en plus féroce. En 2001, Aoko Masanori fait évoluer la Goldwing en GL1800. Pour que celle-ci soit capable d'accélération et de qualité dynamique proche de celle d'une sportive. Le 6 cylindres est installé dans un cadre en aluminium à double poutre pour apporter plus de stabilité, mais aussi plus d'agilité à cette routière. En 2006, une première sur une moto, l'airbag fait son apparition sur la Goldwing. Vous allez voir aussi que la moto que j'essaie aujourd'hui est aussi équipée de l'airbag. Je vais vous en parler plus en détail dans quelques minutes. En 2011, elle est redesignée avec des lignes plus élégantes et plus imposantes. Une capacité de chargement totale de 110 litres. C'est vrai qu'en termes de capacité de chargement, on se rapproche des coffres de certaines voitures sportives. Des connectiques USB, un nouveau système audio à 6 haut-parleurs. En 2013, Honda dévoile même une version bagger. Donc la bagger, c'est une Goldwing, mais vous n'avez pas le top case sur la partie arrière. En 2018, là c'est l'aboutissement. La dernière génération de Goldwing arrive sur le marché avec un nouveau châssis, nouveau moteur. Nouveau système de freinage, beaucoup d'équipements très technologiques, une boîte DCT à double embrayage, je vais y revenir en détail sur la partie de l'essai routier, là on frôle la perfection. En France, depuis le lancement de la première version de la Goldwing, c'est plus de 30 000 exemplaires qui se sont vendus à un rythme entre 800 et 1000 exemplaires par an en moyenne. Donc malgré son prix, c'est une moto qui est très recherchée, surtout pour sa fiabilité. Preuve en est, il y a un Argentin, Emilio Scotto, qui a parcouru entre 1985 et 1995, au guidon de sa GL1100DX, plus de 735 000 km. Donc quand vous faites plus de 700 000 km avec une moto, la fiabilité, il faut qu'elle soit au rendez-vous. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Une bulle réglable électriquement en hauteur via un commodo qui est situé sur le guidon à gauche. Au niveau de la protection, là on atteint le summum du deux roues, hein. Même à 130, 140, même 150 km/h, on ne ressent quasi rien, même avec des températures basses. Ce matin il faisait 2 degrés seulement, j'ai pris l'autoroute A13 à 140 km/h, il n'y avait strictement mais aucune perturbation d'air. J'étais casque ouvert, j'avais pas du tout froid, c'est dire le niveau de protection. Pour ceux qui sont encore sceptique sur la qualité de la protection, sachez que Honda propose en accessoire des bulles qui sont plus hautes avec des déflecteurs latéraux supplémentaires. Bon là vous serez carrément dans un cocon. Sur les rétroviseurs,
Les rétroviseurs y s'intègrent assez bien dans le carénage à l'avant de cette moto, avec un rappel de clignotant juste ici. Ils sont rabattables manuellement. Ce que j'aime bien, c'est le design, avec un design qui ressemble très fortement au BMW M, comme la dernière M4 compétition que je vous ai présentée il y a quelques jours, avec la partie basse qui est reliée au carénage de la moto et la partie haute qui le frôle. Sachez que les clignotants, ils peuvent se désenclencher automatiquement en fonction de votre vitesse et de l'inclinaison de la moto. Double optique à LED avec 5 petites lentilles dans chaque bloc optique, avec un dessin de la signature lumineuse qui reprend clairement le dessin de l'aile du logo Goldwing. On a des lignes beaucoup plus acérées, beaucoup plus épurées et dynamiques que sur la précédente génération, qui avait un look un petit peu pâteau selon moi. Je trouve que l'avant de la nouvelle génération est beaucoup plus réussi. On a des feux anti-brouillard à LED également. Et puis on a une suspension avant à double triangle assortie d'un mono amortisseur à ressort réglable électriquement en hydraulique depuis le guidon. Des jantes en alliage à l'avant, on a du 18 pouces, à l'arrière du 16 pouces. Sur le freinage, double disque hydraulique à l'avant, un DCBS de 320 mm avec des étriers à 6 pistons à montage radial, l'ABS et vous avez des plaquettes métal frittées. Sur l'arrière, un simple disque hydraulique DCBS de 316 mm avec étrier 3 pistons et un frein de parking pour les versions DCT. Ici, on a les culasses qui cachent le 6 cylindres avec l'inscription Honda. Au niveau des coloris sur les versions DCT Airbag, comme celle que j'essaye, vous aurez le rouge candy, comme sur notre modèle d'essai, et aussi le gunmetal. Et sur les versions non DCT sans l'airbag, là, vous aurez le gunmetal, mais avec l'intégralité de la partie moteur et du cadre qui seront eux aussi en noir métal. Sachez que sur les versions bagger, donc les versions sans top case, vous aurez uniquement le gris pearl qui sera proposé. Le carénage a des surfaces à la fois plates et tendues qui contrastent avec les détails aérodynamiques. On a vraiment des formes très contemporaines sur cette moto. Et puis, je trouve que ça s'inscrit parfaitement avec l'optique et la signature lumineuse à l'avant de la moto. Pour le passager, on a deux poignées de maintien qui sont assez ergonomiques et plus écartées que sur l'ancienne Goldwing. Et également, ici, des repose-pieds rétractables en aluminium antidérapant qui s'intègrent parfaitement, je trouve, dans le carénage de la moto. En dessous de la poignée passager, côté droit, vous avez ici la possibilité de mettre une commande déportée pour régler le système audio à partir de la place passager. Donc ça peut être pratique, mais attention quand même à la personne que vous emmenez avec vous qui pourra choisir les musiques sur la moto. Ça, c'est en accessoire, je vous le rappelle. Et sur la partie gauche, là en revanche, et cette série sur celle que j'essaye aujourd'hui, vous pourrez régler l'intensité du chauffage du siège pour le passager. Sur les valises, on ne peut toujours pas rentrer un casque intégral, que ce soit à droite ou à gauche. Et sachez que dans la valise de gauche, il y a une prise USB pour recharger, par exemple, votre smartphone. À l'arrière, on a une suspension ProLink avec mono-amortisseur, réglable également électriquement en précharge et hydraulique. Sur cette Goldwing 2021, il y a eu une amélioration sur la selle, que ce soit pour le conducteur, mais aussi pour son passager, qui est notable par rapport à la précédente. Et également, l'inclinaison du dossier pour le passager a été revue pour plus de confort. Je ne l'ai pas essayé, mais on m'a dit que c'était très confortable. Après, est-ce que c'est beaucoup mieux que l'ancienne? Difficile à vous dire, en tout cas, ça a été revu. Sur le système audio, il a été retravaillé pour apporter plus de finesse. Sur la partie gauche, à noter que vous avez un frein de parking qui est manuel ici, que vous pourrez activer et désactiver de cette manière. Alors pour la mettre sur la béquille latérale, bon c'est simple forcément. Par contre sur la centrale, là j'ai un tout petit peu d'inclinaison là où la moto est parquée. Bon vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Regardez. Bon, la moto, on frôle les 400 kg. Hop là. Heureusement, il y a une bonne répartition des masses sur cette moto, avec le bloc moteur qui est situé assez bas. Mais malgré ça, avec 400 kg, je peux vous assurer, il ne faut pas être fatigué pour la monter sur la béquille centrale. Il faut savoir que le top case de la moto a été revu. Maintenant, vous avez au total 121 litres d'espace de rangement entre les valises latérales et le top case. Et puis dans ce top case, maintenant, on peut facilement rentrer deux casques intégraux. Pour recharger votre portable, c'est assez simple. En plus, vous pourrez le caler assez facilement juste ici et vous avez une prise USB. 61 litres d'espace dans le top case, hein, sachez-le. Et vous pouvez aussi le déverrouiller et le verrouiller avec la Smart Key Honda. Vous avez le démarrage sans clé, hein, sur cette moto. Feu arrière à diode. On a deux grandes sorties d'échappement au niveau de la sonorité.
Je la trouve très bonne, surtout lorsqu'on monte dans les hauts régimes, on sent vraiment la douceur, l'onctuosité du 6 cylindres, et sur une moto, c'est vraiment rare. Au niveau de ses dimensions, une longueur de 2,57 m, c'est 7 cm de plus qu'une Smart de première génération, c'est dire les dimensions de ce vaisseau amiral. Sur sa largeur, 905 mm, et sur sa hauteur, 1,43 m. Et le poids, 383 kg sur la balance. Et vous allez voir que malgré ce chiffre, elle est très agile sur la route. Le moteur, le mythe, le 6 cylindres à plat, 1833 cm3 sur cette nouvelle génération. 125 chevaux, 170 Nm de couple. Des performances excellentes, surtout une douceur d'utilisation, une onctuosité difficile à retrouver chez des concurrents. Et puis on a le throttle by wire, cet accélérateur électronique qui apporte beaucoup de douceur également. On a la boîte automatique à double embrayage DCT. Elle aussi qui a été très éprouvée chez Honda, puisque depuis 2009, il s'est vendu plus de 140 000 motos équipées de cette technologie. On a 4 modes de conduite en plus, qui peuvent faire varier la réactivité de cette boîte de vitesse à double embrayage. Je vais y revenir et vous les détailler dans la partie de l'essai routier. Sur sa consommation, elle annonçait un peu plus de 5 litres par Honda en moyenne. Nous, on a constaté 6,5 litres en conduite cool. Après, si vous haussez le rythme, là, vous pourrez facilement atteindre les 7,5, voire les 8 litres. Mais vous êtes quand même sur un 6 cylindres. Au niveau de son prix, sachez qu'il existe trois versions de la Goldwing en 2021. Vous avez la Goldwing DCT, donc c'est la bagueur, qui est affichée à 27 899 euros. La Goldwing Tour, sans la boîte DCT, à 33 999 euros. Et puis, celle que j'essaie aujourd'hui, donc là, c'est le Graal, le summum, la Goldwing DCT avec l'airbag, qui s'affiche à 36 999 euros. En description de la vidéo, donc cliquez sur ce lien. Vous avez juste à remplir vos coordonnées, c'est assez simple, et ensuite, vous avez votre concessionnaire Honda le plus proche qui va vous contacter dans les plus brefs délais. Les intervalles d'entretien sont tous les 12 000 km. À noter une chose, j'étais super dubitatif avant d'essayer cette moto. Déjà, il y avait le poids qui me freinait beaucoup. Je me suis dit, mais ça doit être une moto qui doit être extrêmement compliquée à manœuvrer, déjà à basse vitesse, mais surtout avec laquelle il sera difficile de prendre du plaisir dans les virages, dans les courbes, dans les virolos, les petites parties sinueuses. Et en fait, pas du tout. La moto est super agile. Il faut essayer ce type de moto pour comprendre vraiment l'intérêt d'acheter ce type de véhicule. Donc, ceux qui sont encore sceptiques sur l'intérêt d'acheter une Goldwing, remplissez quand même le formulaire, essayez-la, et puis vous me donnerez votre avis en commentaire, mais faites gaffe quand même, parce que l'essayer, c'est l'adapter, vous risquez de l'acheter. On a le démarrage sans clé sur la Goldwing. Donc pour mettre le contact, ce sera assez simple. Vous tournez cette molette, et puis ensuite, vous appuyez sur ce bouton pour mettre en route votre 6 cylindres à plat. Alors, ce qui est intéressant, je vais commencer par le commodo droite. J'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce poste de pilotage assez inédit dans le monde du deux roues. Avec la boîte DCT à double embrayage, ici, vous avez un commodo spécifique. Je vais baisser la musique qui s'est mise automatiquement. Donc, avec ce commodo sur la droite, là, vous pourrez vous mettre en neutral, en drive. Et là, vous pourrez alternativement choisir un mode tout automatique ou manuel. Et le mode manuel, vous pourrez monter et descendre les rapports manuellement avec le commodo de gauche que je vais vous détailler d'ici quelques instants. Mais on va rester sur celui-ci. Là, vous aurez l'activation des warnings du régulateur de vitesse que vous pourrez régler plus ou moins pour être très précis quand vous êtes sur autoroute. Ça, c'est vraiment pas mal. Et puis, il y a juste derrière l'activation des différents modes de conduite. Donc, il y en a quatre. Il y a sport, tour, éco et Rain. Moi, je reste en tour la plupart du temps, c'est le mode standard. Sur le centre. Alors, sur le centre, ici, on a un bouton Enter avec lequel on peut naviguer assez facilement. On a le bouton Home. Voilà, avec l'accès aux sources audio, la navigation, le téléphone, le réglage du véhicule, le réglage audio, qui est super complet. Et puis, vous pourrez aussi activer le chauffage de votre siège conducteur. Il y a quand même 5 niveaux de chauffage, c'est assez hallucinant. Pareil pour les poignées chauffantes, ça c'est vraiment pas mal. Ici on a l'emplacement pour l'airbag qui est en option, qui est une exclusivité dans le monde du deux roues.
On a des détecteurs de choc qui sont placés sur le châssis qui analysent les variations d'accélération et la centrale électronique qui détecte instantanément si un choc frontal a lieu et va déterminer si la bague doit être déclenchée. Ça, je crois que c'est la seule moto aujourd'hui qui le propose. Ici, vous avez votre réservoir de carburant avec une contenance de 21 litres. Et sachez concernant l'accélérateur, donc le throttle by wire, qui permet de gérer la puissance moteur via les 4 modes de conduite qui sont accessibles juste ici. Et vous aurez les modes de conduite qui s'affichent en fait juste en bas du compte tour, juste là avec les inscriptions tour, sport, éco et rain. Sur l'écran d'instrumentation, il est bicolore avec des fonds de compteurs sombres qui contrastent avec des cerclages métallisés éclairés par des diodes. Il fait 7 pouces. Il n'est pas tactile. Vous pouvez uniquement le contrôler via le bouton central qui est juste en dessous. Et aussi, vous pourrez naviguer dans cet écran d'instrumentation qui est aussi un système d'infodivertissement via le Komodo qui est situé sur la gauche. Sachez que la luminosité de l'instrumentation, elle s'ajuste automatiquement en fonction des conditions ambiantes. On a le Bluetooth, vous avez l'Apple CarPlay, vous avez aussi l'Android Auto. Là, il faudra connecter via un fil votre smartphone à votre moto. Ce n'est pas de l'Apple CarPlay, de l'Android Auto sans fil, comme on commence à voir dans l'industrie automobile. Il y a l'aide au démarrage en côte, ça c'est super pratique, quand on sait que la moto elle frôle les 400 kg. Et puis, vous avez l'idle stop. L'idle stop, c'est en fait ce qu'on appelle le start and stop dans les voitures. Donc, lorsque vous arrivez à un feu rouge, par exemple, le moteur va se couper. Et puis dès que vous allez réactionner la poignée de gaz, là par contre, le moteur va se rallumer et puis vous pourrez repartir. Alors faites gaffe quand même avec la DCT parce que du coup, si vous êtes arrêté à un feu rouge, le moteur s'arrête. Lorsque vous allez retourner la poignée, la moto va repartir immédiatement. Donc c'est le même principe que sur une voiture, mais il faut quand même être très vigilant parce que la moto est très réactive et puis une fois qu'elle part, là pour la retenir, ça va être compliqué. Donc l'idle stop, c'est bien. Mais il y a un petit coup d'adaptation à prendre. Moi, à un moment, je n'avais pas fait attention. Je me suis arrêté voir un ami devant chez lui. Je me suis stoppé donc juste devant lui. Le idle stop s'est activé, donc le moteur s'est coupé. Et à un moment, il a voulu juste toucher la poignée de gaz un tout petit peu. Puis la moto a redémarré, elle a fait 50 cm toute seule. Donc faites quand même attention à l'idle stop. Sur le Komodo gauche, là, vous pourrez régler la bulle électrique. Ici, le volume du système audio. En dessous, là, vous pourrez activer le contrôle vocal, répondre à vos appels téléphoniques. Vous avez un bouton d'accès rapide au menu Home de l'écran d'instrumentation et du système d'infodivertissement. Vous avez le bouton Back. Là, vous pourrez naviguer dans votre écran d'instrumentation et puis surtout changer vos playlists avec cette commande. Bon, le klaxon, les sources. Alors, le bouton source, je me suis souvent emmêlé les pinceaux avec le bouton manœuvre. Le bouton manœuvre qui est juste ici. Donc il vous permet de manœuvrer les 383 kg de la moto lorsque vous êtes par exemple dans un faux plat. Donc avec ce mode manœuvre, vous pouvez reculer la moto à 1,2 km/h. Donc c'est une fonction marche arrière. Et vous pourrez l'avancer avec le Komodo de passage des rapports supérieurs. Parce qu'en fait, ce mode manœuvre, il utilise les Komodo de passage de vitesse de la boîte DCT. Donc vous pourrez avancer votre moto à 1,8 km/h. Donc effectivement, je me suis trompé à plusieurs reprises entre le bouton source, donc en fait j'étais en train d'écouter du rock et puis là je suis tombé sur France Inter parce que la moto est passée en mode ratio. Bon voilà, mais en même temps vous êtes obligé de créer un espace assez restreint avec toutes ces commandes. Alors sur la boîte DCT en effet, vous pourrez passer vos rapports avec les commandes qui se situent donc juste ici au pouce et au niveau de l'index, juste à côté de l'activation des pleins phares. Alors c'est bien, mais au final c'est plus un gadget qu'autre chose parce qu'on pourrait ne pas l'avoir. La boîte DCT est tellement bien étagée qu'il vous suffit juste de changer les modes de conduite et puis rester en full automatique. Et le mode manuel, je l'ai utilisé que 2 fois seulement en 5 jours d'essai. Donc preuve que la technologie DCT est super bien maîtrisée. Vous avez bien sûr les enceintes du système audio en dessous de l'écran d'instrumentation. Et puis on a un rangement sur la droite qui est juste ici, dans lequel vous pourrez par exemple ranger votre ticket de péage assez facilement. En tout cas, sur le poste de pilotage, c'est vrai qu'il y a un petit temps d'adaptation. Déjà par la multitude de commandes, de fonctions de la moto,
Il faut vraiment passer, je pense, une bonne heure avant de prendre la route avec cette moto si vous voulez tout utiliser. Alors, sinon, vous pouvez partir au bout de 5 minutes, hein, mais là, vous allez peut-être vous emmêler les pinceaux avec toutes les commandes, notamment sur le commodo gauche. Autant sur la droite, c'est assez simple. Si on ne prend pas en compte les différents modes de la boîte DCT, les différents modes de conduite. Donc voilà, quelques jours vous suffiront pour appréhender cette moto. Et puis on a les réglages dans l'écran d'infodivertissement qui sont assez simples au final, il n'y en a pas beaucoup. Ils ont vraiment tout simplifié. Et puis moi je croyais, comme dans certains systèmes d'infodivertissement de voiture, je croyais que j'allais me perdre, comme sur la dernière Mercedes Classe S, où là c'est trop compliqué. Mais c'est pas du tout le cas sur la Goldwing. Hein. Si vous voulez vraiment rentrer dans le détail, je pense qu'en une petite demi-heure, vous allez faire le tour de toutes les fonctionnalités de la moto. Et tout est facilement accessible. Donc voilà, on va dire, allez, en une bonne vingtaine de minutes, vous aurez les bases. Et en à peu près 2h, 3h, vous connaîtrez tout de la Goldwing 2021. Ça, c'est quand même un bon point. Et puis, on se sent surtout très protégé. Avec les protections dont je vous ai parlé il y a quelques minutes sur la partie avant. Moi, je dirais qu'avec un temps assez froid à haute vitesse, donc à 130-140 km/h, j'étais très bien protégé au niveau du buste, malgré ma taille, et au niveau de la tête. J'ai essayé la version bagger il y a 2 semaines à Montpellier, et c'est vrai que sur la bagger sur autoroute, j'avais au niveau de la protection, à mi-casque, j'avais des perturbations qui étaient assez fortes à partir de 130-140 km/h. Là, c'était pas du tout le cas sur la Goldwing Tour. Avec les faibles températures, pour revenir à ce point-là, j'avais juste les mains qui, au bout de 60-70 km, je commençais à ressentir un petit peu le froid, malgré un réglage sur la plus grande intensité du chauffage des poignets. Mais sinon, c'est tout. Sur le reste, au niveau des jambes, on est très bien protégé. On est sur une moto avec une protection sans égale. Il y a peut-être certaines de ses concurrentes qui ont des protections similaires. En tout cas, de toutes les motos que j'ai essayées jusqu'ici, c'est celle qui m'a apporté le plus de confort et de protection, même à haute vitesse. C'est routier. Premier équipement dont je souhaitais vous parler, c'est le HSA pour Hill Start Assist, qui est tout simplement une aide au démarrage en côte. Je m'en suis servi hier en allant sur Montmartre. Premier feu rouge dans une pente assez inclinée. Et le système m'a bien sauvé la mise. C'est vrai qu'on n'anticipe pas, lorsqu'on monte sur ce type d'engin, l'impact du poids sur les manœuvres à basse vitesse. Mais ça a quand même beaucoup d'incidence. Et ce genre d'équipement vous permet justement d'oublier le poids du véhicule. Alors, autre équipement aussi qui vous permet de pallier au gabarit de l'engin, c'est l'aide aux manœuvres. Donc vous avez une aide aux manœuvres en marche arrière. Ça aussi, ça participe à l'absence d'appréhension sur les premiers jours d'utilisation de ce type de moto. Et ce n'est pas trop. Alors, ce qui est dommage, c'est que c'est pas présent sur les versions bagger, donc les entrées de gamme de la Goldwing, mais en revanche sur la version Tour DCT Airbag que j'essaie et que je vous présente aujourd'hui, là c'est 2 séries, et heureusement, vous me direz. Ensuite, la boîte DCT pour le double clutch transmission, donc c'est une boîte à double embrayage. Alors cette technologie, elle est très utilisée dans le monde automobile, et je vous en parle souvent dans mes essais de voiture. Si je prends l'exemple de la PDK chez Porsche, du système DSG dans le groupe Volkswagen qui est utilisé sur quasi toutes les marques, que ce soit Audi, Skoda, Seat ou encore Volkswagen. Alors très répandu dans le monde automobile, mais alors dans le monde du deux roues, c'est inexistant, sauf qu'il y a le constructeur Honda qui a pensé et qui commence à démocratiser ce type de transmission sur tous ces modèles. Ça part du scooter avec le Forza 750 que je vous ai présenté il y a quelques semaines, mais aussi sur son vaisseau amiral, la mythique Goldwing. Alors, quels sont les avantages d'une boîte DCT sur une moto comme la Goldwing? Alors, pour le résumer, moi je partirai du postulat que ça vous apporte
l'onctuosité, le confort, la douceur d'une boîte automatique avec la rapidité et la sportivité d'une boîte mécanique. Comme sur les voitures, le passage des rapports se fait plus rapidement que sur une boîte mécanique lorsque vous utilisez ce type de technologie. Ça se vérifie sur la Goldwing. Donc le passage des vitesses est quasi imperceptible lorsque vous êtes en mode tour par exemple, qui est l'équivalent d'un mode confort. On ne ressent pas le passage de chaque vitesse. Le seul moment où vous allez ressentir quelque chose, ou du moins entendre quelque chose, c'est lorsque vous êtes en neutre et vous enclenchez la boîte DCT en appuyant sur D avec le commodo de droite. Là, vous avez effectivement un bruit qui est assez important, mais c'est le seul moment, lorsqu'on roule, vous ne ressentez pas le passage des vitesses. Ça aussi, c'est super agréable. Il faut vraiment passer en mode sport et hausser le rythme pour ressentir un passage de vitesse plus prononcé, plus exacerbé. Donc ça, c'est quand même génial. Après, on va dire qu'à l'utilisation, je ne m'attendais pas à avoir un tel agrément. J'étais hyper dubitatif quant à l'intérêt d'utiliser ce type de transmission sur une moto. Moi, je suis un aficionados de la boîte mécanique sur toutes les motos d'ailleurs que j'ai eues jusqu'à maintenant. J'aime pas trop la philosophie des scooters, même si certains scooters sont super efficaces. J'aime bien ressentir la mécanique avec une transmission manuelle. Donc, quand on m'a proposé de faire l'essai de cette Goldwing en DCT, je vous avouerai, j'étais super hésitant, parce que pour moi, une grosse moto avec un 6 cylindres, de cette cylindrée avec autant de couple, 170 Nm de couple, ça nécessite de bien ressentir l'engin, et donc la boîte mécanique était pour moi obligatoire. Et je me suis vraiment complètement trompé, pour être honnête avec vous. C'est vrai que la boîte DCT n'enlève rien au plaisir de conduire une si grosse moto avec autant de puissance et de couple. Et j'irai même plus loin, au-delà de l'efficacité de la boîte à double embrayage, j'ai trouvé que ce type de transmission était approprié à la philosophie de la moto. C'était même la transmission parfaite, à vrai dire. Je pense que Honda a visé dans le mille. C'est ce qui manquait à cette moto. Ils ont pensé à l'airbag il y a un peu plus de 10 ans. Maintenant, ils se sont penchés sur la transmission et d'une bien belle manière, puisque je pense que c'est ce qui manquait à cette moto pour frôler le sans faute. Alors, des défauts, j'en ai trouvé à cette moto, hein, bien évidemment, mais sur sa transmission, je dois vous avouer, il est difficile de la mettre en défaut, que ce soit à un rythme assez coulé, comme à l'instant, ou même en mode sport. Je vais revenir dans quelques instants sur les caractéristiques de chaque mode de conduite. Mais en tout cas, la boîte DCT, quelle bonne idée. Concernant les modes de conduite, vous en avez 4. Vous pouvez les actionner, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, via une commande qui est située à côté de votre levier de frein. Juste là, commande mode, donc vous avez 4 modes, mode sport, éco, rain et tour. Alors le mode le plus utilisé, ça va être le mode tour, qui est l'équivalent d'un mode confort si vous préférez, qui a en fait tous les paramètres qui vont être assez normaux, pas trop amplifiés, pas trop prononcés. Il faut savoir que chaque mode de conduite va agir sur la suspension, le freinage, le couple via le HSTC, le Honda Selectable Torque Control, qui est le contrôle du couple si vous préférez. Et puis dernier paramètre qui va être impacté par le choix du mode de conduite, c'est bien sûr la boîte DCT. Donc lorsque vous êtes en mode tour, tous les paramètres sont assez équilibrés. En mode sport, là vous avez le passage des vitesses qui va se faire à plus haut régime. Vous avez aussi la suspension qui va se raffermir et vous avez un freinage qui va être plus accentué sur l'arrière de la moto. Avec une loi de passage des rapports sur la DCT qui est vraiment orientée vers la vélocité. Vous verrez, en ville, il est difficile d'utiliser le mode sport. Il faut vraiment être sur départemental comme sur celle sur laquelle je me trouve actuellement pour utiliser pleinement ce mode de conduite. Ensuite,
vous avez le mode rain avec un réglage du HSTC, donc du contrôle du couple de la moto, qui va être assez élevé. Donc là pour le coup, la moindre glissade va être corrigée via le contrôle du couple. Et puis une loi de passage des rapports qui va se faire à bas régime pour justement qu'il n'y ait pas de patinage de la roue ou de perte d'adhérence. Le mode économique, lui, un peu de la même manière que le mode rain, il va privilégier des passages de rapports à très bas régime avec cette fois-ci un HSTC, donc un contrôle du couple qui va être un petit peu plus permissif qu'en mode rain. Alors tous ces modes de conduite, moi pour être honnête, j'en ai utilisé que deux. C'était le mode tour et le mode sport. Le mode sport, il est limite un petit peu trop violent, je trouve, par rapport à la philosophie de la moto. On se retrouve très rapidement à des vitesses déjà non réglementaires, ça c'est le premier point. Et puis, faut pas oublier le poids de la machine, il faut quand même la freiner. Et puis on sent que le freinage, je vais y revenir dans quelques instants, souffre un petit peu dès qu'on commence à le solliciter fortement après une dizaine de gros freinages à pleine charge. Donc faites attention, on va dire que le mode le plus approprié à la philosophie de la moto, ça va être le mode tour. Seul petit bémol, moi j'aurais aimé du coup, comme j'ai beaucoup utilisé le mode sport, avoir un bouton d'accès direct. Parce que par exemple, si je suis en mode éco et que je veux passer en mode sport, je dois appuyer une, deux, trois fois pour me retrouver en mode sport. Donc c'est un petit peu long, surtout lorsqu'on en a besoin rapidement. Il aurait été peut-être un petit peu mieux d'avoir un mode sport avec un bouton dédié comme on peut retrouver sur certaines voitures de sport. Alors encore une fois, vous allez me dire mais ce n'est pas fait pour ça, c'est vrai, mais quand on a envie d'accélérer ou de bénéficier d'une reprise ou tout simplement d'un réglage de la boîte DCT ou de la suspension et du freinage approprié, ça aurait été peut-être le plus qui fait la différence. À l'avant, on a une suspension à double triangle. On sent qu'elle travaille énormément. D'ailleurs, vous voyez les suspensions sautiller de cette manière à chaque instant, alors que la moto est juste imperturbable, tel un TGV qui franchit les 300 km/h dans une douceur extrême. C'est assez drôle. Sur l'arrière, on a un bras oscillant ProArm et un système de démultiplication de type ProLink qui apporte beaucoup de progressivité et surtout un très grand confort, quel que soit le type de route sur laquelle vous pouvez évoluer. Là par exemple, on est dans le Vexin sur des petites routes avec pas mal d'aspérité sur la chaussée, et la moto vraiment fait super bien le boulot pour absorber les chocs et vous apporter une expérience de conduite très très bonne malgré son gabarit. C'est super appréciable. Ce sont des motos qui s'apprécient à des rythmes assez coulés. Si vous passez en mode sport, bien que la suspension peut s'adapter, c'est pas non plus son domaine de prédilection. Là où on l'aimera et on l'appréciera et on l'adorera sans doute le plus, c'est en mode tour, à un rythme, on va dire, aux vitesses réglementaires. Autre point important sur la suspension, c'est le réglage de la précharge. Je vous l'ai montré tout à l'heure quand je vous ai présenté le système d'infodivertissement de la moto. Dans les réglages, vous pouvez régler la précharge, donc en fonction du nombre de personnes et des bagages que vous aurez sur le véhicule. Vous avez 4 niveaux. Premier niveau, pilote seul. Deuxième niveau, pilote seul avec bagages. Troisième niveau, pilote plus passager. Enfin, le quatrième, le plus lourd pour ce véhicule, c'est le pilote plus le passager avec des bagages. Et on sent une nette différence. Je l'ai essayé tout à l'heure avec un passager et du matériel pour réaliser ce tournage. Et c'est vrai qu'on sent la différence de comportement de la moto. De là à vous dire qu'il y a une différence abyssale entre les modes de conduite, ce serait vous mentir. Mais en tout cas, on sent bien que la suspension peut s'adapter et a un rôle quand même assez marqué, il faut le reconnaître, sur le comportement de la moto. Sur le freinage, on a un freinage combiné DCBS qui répartit de manière optimale le freinage entre la roue avant et la roue arrière du véhicule.
Et avec son poids, encore une fois, le poids est l'ennemi de l'agilité, vous le savez. C'est pas trop. C'est pas trop parce que s'il n'était pas présent dans des situations de freinage d'urgence, par exemple, devoir doser le frein arrière pour bien asseoir la moto peut s'avérer une opération assez périlleuse. C'est là où le DCBS intervient de manière optimale et surtout il vous garantit la sécurité dans des situations de freinage à pleine charge. Ça aussi, ça participe à la sensation de sécurité globale de la moto. Autre point dont je voulais vous parler, c'est la précision de la jauge à essence. Je l'ai trouvé très peu précise. Là, vous pouvez voir, il y a 6 petits carrés sur l'écran. Je croyais tout à l'heure ne plus avoir d'essence du tout, puisqu'il m'en restait seulement une barre. Et quand j'ai fait le plein, je me suis rendu compte que cette barre est représentée plus de 6,5 litres de carburant sur les 21 litres de contenance. Donc la précision de la jauge à essence, on repassera. Sur ces performances, ce qui est assez drôle sur le monde de la moto, c'est que contrairement à l'automobile, il n'y a pas de course au chrono, le 0 à 100, le 0 à 200, la vitesse max. C'est vrai que ce sont des données qui sont assez rarement communiquées par les constructeurs de deux roues et de motos. Là encore une fois, c'est difficile de vous donner le 0 à 100. Je vous le donne dans quasi chacun de mes essais, donc je laisserai le soin à mon monteur de calculer le 0 à 100 que je vais réaliser pour vous, car je vais quand même vous en faire un. Alors pour ce faire, je vais bien sûr me mettre en mode sport. Je vais pas faire un launch control non plus. Et je vais m'arrêter et puis on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Oh là là, il y a la roue avant qui se déleste. Ah, c'est impressionnant. Allez, 100. Ah, c'est super impressionnant quand même. On est sur un engin de quasi 400 kg. Et sur les premiers mètres, on a l'avant qui se déleste de manière assez marquée. Je ne vais pas vous dire que je lance des wheelings non plus. Mais en tout cas, on sent vraiment la direction flotter lorsqu'on accélère à fond. Preuve que la moto a une très bonne réactivité sur les premiers mètres. Alors, pour ressentir cette accélération, il faudra absolument choisir le mode de conduite sport. Car sur les autres modes de conduite, vous n'aurez pas la même sensation à l'accélération. Je pense au mode rain et le mode éco également. Alors on est souvent rappelé à l'ordre par le poids et l'inertie que le véhicule peut prendre. Mais sinon on en oublie son gabarit. Hein. C'est assez étonnant d'ailleurs. Il faut faire attention à la perte d'adhérence parce que autant sur une moto qui pèse 200-250 kg, bon, je ne vais pas vous dire qu'on peut obligatoirement la rattraper, mais on peut avoir une petite glissade de la roue arrière. Autant sur la Goldwing, je pense que la petite glissade de la roue arrière, elle doit pas trop pardonner. On arrive à avoir une moto presque à deux visages, je dis bien presque à deux visages, entre ce côté toureur, grand tourisme, en mode tour justement, et ce côté beaucoup plus véloce, en mode sport. Alors ça se ressent vraiment sur les premiers mètres. Après, c'est vrai que dépasser 120 km/h en mode sport, il est clair que la moto est vraiment beaucoup moins véloce. Faute bien sûr à son poids, et puis c'est une mécanique qui est réglée pour un usage grand tourisme, donc essentiellement axé sur la disponibilité du couple et sur des relances moteurs pour permettre de relancer le véhicule lorsque vous êtes à 80 ou 100 km/h. Après tout, c'est tout ce qu'on lui demande. On évolue dans des petites zones. Là je suis dans un village, je suis pas en ville, parce qu'en ville c'est toujours compliqué de filmer, notamment avec les autorisations qui sont demandées. Lorsqu'on est dans des petits villages avec des rues étroites, la moto se déplace hyper facilement. C'est assez étonnant d'ailleurs, grâce à son moteur qui est positionné assez bas, comme je vous le disais tout à l'heure. On a le
contrôle du couple qui s'active, c'est le petit bouton T hein, qui s'active, qui vous empêche en fait d'accélérer lorsqu'il il est activé. Donc dès qu'il détecte une perte d'adhérence, si vous tournez la poignée, en fait la moto n'accélère pas. Donc ça c'est pas mal, alors c'est un peu castrateur lorsque vous êtes sur des routes comme ça et ça craint pas du tout, mais par contre si vous êtes sous la pluie et que vous réaccélérez au mauvais moment, ben, le système de contrôle du couple vous en empêche. En tout cas, regardez, là je suis en mode sport, c'est vraiment étonnant les relances du véhicule, vraiment, je suis bluffé. Je m'attendais pas du tout à ça. Regardez les angles qu'on peut prendre. Là, je penche vraiment la moto. J'ai pas le pied qui racle, mais pas loin. Je sens ma chaussure frôler le bitume. Et je suis sur une Goldwing de plus de 380 kg. Quel travail des ingénieurs de Honda. Quel travail. C'est une moto qui est étonnante sur tous les points. Sa technologie, son confort, ses performances. Chapeau bas. Il faut maintenant conclure l'essai de cette nouvelle Honda Goldwing 1800 tours 2021. Parmi ses défauts, ce que j'ai retenu, c'est un poids conséquent à plus de 380 kg. Forcément, sur les manœuvres à basse vitesse, il faudra faire très attention. Un prix assez élevé, surtout dans cette version tour DCT Airbag, à 37 000 euros tout de même. Aussi, ce qui m'a dérangé, il n'y a pas de prise USB accessible sur cette version DCT Airbag, puisque sur les versions Bagger, vous avez juste ici un rangement dans lequel vous avez accès à une prise USB. Là, ce n'est pas le cas. Heureusement, je vous assure, elle a beaucoup de qualité. Déjà, un confort royal. On est sans doute sur la moto la plus confortable du marché. Une excellente protection grâce à ce pare-brise réglable électriquement, même sur autoroute à plus de 130-140 km/h. On ne sent que très peu la vitesse. Ça, c'est un bon point. Une excellente assise grâce à cette nouvelle selle qui a encore été travaillée. Même pour le passager, vous avez le dossier qui a encore été amélioré pour plus de confort. Et on a cette excellente boîte DCT à double embrayage qui est non seulement efficace sur cette moto, mais surtout très appropriée à ce type d'utilisation. Je vous invite vraiment à cliquer sur le lien en description de la vidéo. Je vous ai mis le lien d'Honda France pour prendre rendez-vous avec le concessionnaire le plus proche. Et surtout, essayez cette moto. C'est une moto qu'il faut au moins conduire une fois dans sa vie. Mais faites attention à une chose, si vous l'essayez, vous allez sans doute faire le chèque. Les amis sur YouTube, c'est chaque semaine, je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche de notification. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!